Hello YouTube, c'est encore moi. Et oui, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul unboxing Yves Rocher, mais ce n'est pas moi qui ai passé la commande. C'est notre fille aînée qui s'est fait plaisir pour Noël et qui s'est fait une belle commande chez Yves Rocher en profitant d'une de mes offres courrier. Comme ça, elle a pu avoir des avantages qui sont plutôt pas mal. Et donc voilà, elle s'est fait plaisir et donc elle m'a autorisé à ouvrir le carton et à vous faire le haul en vidéo. Donc j'ai déjà ouvert le carton, hein. Je vous évite les bruits insupportables de déchirement du carton. Et donc là, j'ai jamais commandé autant moi personnellement chez Yves Rocher. Donc j'ai jamais eu un aussi gros carton venant de chez Yves Rocher. Alors attention, le train Yves Rocher va passer, je vous montre. Et voilà, il arrive, il passe. Et voilà, vous avez vu? Allez, il repasse de l'autre côté. Hop, 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 hop. Un sacré carton. Donc, je sais pas si je viens de le dire, mais elle en a eu pour 116,99 €. Ouais, c'est vraiment fait plaisir pour Noël. Et elle en aurait eu pour beaucoup plus si elle n'avait pas eu tous ses avantages. Donc là, on a eu le droit à 5 cadeaux. Hein. Yves Rocher sait faire plaisir à ses clients. Et c'est toujours, en général, de beaux cadeaux. Donc, premier petit produit qu'elle a commandé, c'est un bain-douche de la gamme Vanille Bourbon avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est un flacon de 400 millilitres. Donc ça coûte combien? Que je ne me trompe pas de ligne. Alors ça coûte 7,90 € plein pot. Elle a eu un avantage de 2,91 €. Du coup, elle l'a payé 4,99 €. Donc ça fait toujours plaisir quand on peut avoir des réductions. Donc ça sent bon la vanille. Hein. C'est une gamme qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison. Pas de soucis au niveau de la peau, pas de réaction, rien, franchement, rien à dire. Donc les sensations d'un voyage exotique dans un bain-douche au parfum gourmand enrichi en extrait de vanille bourbon. Une base lavante douce sans sulfate et 100% d'origine végétale nettoie la peau délicatement en respectant son hydratation naturelle. Sa mousse onctueuse et enveloppante parfume délicieusement la peau. Testée sous contrôle dermatologique, pH neutre. Pour la peau et il faut rincer abondamment. Voilà. Ensuite, on reste dans la gamme Vanille Bourbon, justement. Et là, c'est une brume parfumée corps et cheveux avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est un flacon de 100 millilitres. J'aime beaucoup les petites brumes comme ça de chez Yves Rocher. Et moi, je l'utilise principalement dans les cheveux. Donc, cette petite brume coûte normalement. Attendez que je ne me plante pas. Elle coûte 19,90 € quand même. Hein. Je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et elle a eu un avantage de 50%, elle a eu 9,95 €, donc elle l'a payé 9,95 €, ce qui fait plaisir. Tester sous contrôle dermatologique, ne pas appliquer sur peau irritée, ne pas appliquer sur les aisselles. Et voilà, après le reste, c'est dans d'autres langues. Donc voilà, donc, très très bien, rien à redire. Alors, on reste toujours, décidément, en plus je prends au hasard, mais bon. Du coup, je suis tombée, je pense, sur toute la gamme, tous les soins qu'elle a pris de la gamme Vanille Bourbon. Et donc, là, c'est le lait corps évasion. Ouais. Avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, un flacon de 390 millilitres. Voilà. Donc, ça, notre petite dernière utilise la même crème. Et franchement, elle est très, très bien. Donc les sensations d'un voyage exotique dans un décor au parfum gourmand enrichi en extrait de vanille bourbon. Bon, ça ils disent à chaque fois la même chose pour présenter la gamme. Une formule fondante 96% d'origine naturelle adoucit, assouplit et hydrate la peau en la parfumant délicatement. Testée sous contrôle dermatologique et pH neutre pour la peau. Voilà, donc le petit lait. Corps vanille bourbon, normalement 1, 2, 3,
voilà, on va pas se tromper. Ça coûte 12,50 €. Elle a eu un avantage de 4,55 € et donc elle l'a payé 7,95 €. Voilà. Ensuite. Ah bah non, mais alors je raconte n'importe quoi. Et alors ça. Ah bah non, il y avait encore un produit et en plus je tombe dessus. Encore un produit de la gamme Vanille Bourbon. Bah, ce stade-là, elle a presque pris toute la gamme. Donc là, c'est une crème pour les mains hydratante avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un petit tube de 30 millilitres. Voilà, hydrate et parfume. Voilà, alors ça en hiver en plus. Effectivement, c'est important. Alors voyons voir. Ça en a fait, ça en a fait. Alors, elle a aussi pris un lait parfumé de la gamme comme une évidence. Voilà, c'est leur parfum comme une évidence. Elle adore ce parfum. Donc là, c'est un flacon de 200 millilitres et c'est vrai qu'il sent très très bon. Alors, le lait parfumé comme une évidence prolonge le sillage de votre eau de parfum. Ce n'est pas des parfums, c'est des eaux de parfum. Et enveloppe votre corps de ses notes chyprées. Sa formule fondante laisse votre corps velouté et agréablement parfumé. C'est vrai que ces laits-là, si vous voulez, ils ont un parfum plus intense que par exemple le lait Core Vanille Bourbon. Ça sent, mais c'est léger, alors que là, c'est plus marqué. Alors, par contre, ne nous dit pas huile d'amande douce, eau de bleuet issue de l'agriculture biologique. Cette formule contient plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Et donc le Lécor parfumé. Je vous ai dit que c'était un flacon de 200 ml. Ouais, et ben ça coûte normalement 19,90 € et là elle a eu un avantage de 50% et donc elle l'a eu à 9,95 €. Voilà. Allez, alors il y a plein de, voilà, des petits trucs comme ça, donc faut piocher et ne pas tomber sur les cadeaux. Ah, ça justement, je vais mettre de côté. Vous ne verrez pas. Je vais mettre de côté ça aussi. Je vais mettre de côté. Je sais pas si c'est un cadeau. Ça, c'est quoi? Oula, ça c'est ouvert. Donc là aussi, ça se trouve, j'ai mis n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon. C'est quelque chose qu'elle a commandé. Donc c'est un petit vaporisateur de sac et donc de la gamme comme une évidence. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle aime beaucoup cet eau de parfum. C'est vrai que ça sent très bon. Donc là, c'est un petit flacon de 10 millilitres. Donc ça, c'est le vaporisateur de sac. Voilà. Magnifique. Et donc, l'harmonie d'un parfum pur et essentiel, essence de bergamote, absolue de rose d'Amacéna et essence de patchouli. Voilà, si vous voulez savoir. Et donc, ce petit vaporisateur de sac, comme une évidence, il coûte 15,90 € et là, elle a eu encore une fois 50% et donc elle l'a payé 7,95 €. Alors, on fouille, on fouille, on fouille. Oh purée, ça s'accroche partout. Ça aussi, hop, vous ne le verrez pas. Alors, est-ce que ça fait partie de ce qu'elle a commandé ou pas? Ça, c'est bon, on a fait ça. Ah bah si, non, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça, j'avais mis de côté parce que je ne savais pas, mais en fait, je viens de le voir dans la liste, donc je vous le montre tout de suite. Donc c'est un baume pour les pieds ultra riche à la lavande et au karité. Donc là, c'est le baume réparation pieds très sec. C'est un flacon de 75 millilitres. Moi, j'adore leur crème pour les pieds chez Brochet. Moi, j'utilise... J'utilise, j'ai été trop vite dans ma tête, ça allait trop vite. J'utilise la même, mais Absorption Express.
Donc, il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de la lavande bio, parce que si c'est avec de la viande, ça ne va pas le faire, avec de la lavande bio française. La lavande bio française a été sélectionnée pour ses propriétés apaisantes et protectrices. Voilà, appliquée quotidiennement, contient du camphre, testé sous contrôle dermatologique. Répare et nourrit intensément les pieds très secs et enrichi en karité pour ses propriétés réparatrices. On va y arriver. Exceptionnel. Voilà. Alors le fait qu'il y ait du karité, est-ce que ça change l'odeur? Ah ouais, ça change l'odeur en fait. Attendez, parce que je ne voudrais pas m'en foutre sur le nez non plus. Ah ouais, ça change l'odeur. On sent c'est un mélange. Alors, franchement, ça se marie bien. Hein. C'est pas une odeur désagréable, mais moi, la mienne sent bien plus la lavande. En même temps, ce n'est qu'à la lavande. Là, il y a du karité en plus. Bon, bah, très très bien. Mais je l'ai déjà utilisé. Bon, il y a un moment de ça, parce que maintenant, je suis vraiment sur ma crème absorption express. Et quand vraiment mes pieds sont trop abîmés, j'utilise la crème pour les pieds chauds. Voilà. Quand vraiment je dois d'abord faire une réparation avant de repasser en entretien simple, je passe par la petite crème pour les pieds chauds. Voilà. Alors cette crème pour enfin ce baume pour les pieds et talons abîmés coûte 14,90 € quand même, donc elle est plus chère en fait que la mienne, il me semble. Et elle a eu 50%, donc elle l'a payé 7,45 €. Pop, pop, pop. Voilà, c'est bien celui-là. Donc ensuite, elle a pris un soin réparateur sans rinçage, baume botanique. Voilà. Ils sont bien aussi ces produits-là. C'est un flacon de 150 ml à l'huile de jojoba bio. Soin réparateur sans rinçage et c'est pour cheveux secs et abîmés avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et sans silicone. Enrichi en huile de jojoba bio et sans silicone, le baume botanique fondant multi-usage sans rinçage régénère la fibre. Les cheveux sont intensément nourris et réparés jusqu'aux pointes, plus doux et plus souples. Alors, des cheveux 30 fois plus résistants. Alors, c'est un multi-usage sur cheveux humides, nourrit et facilite le coiffage. Sur cheveux secs, apporte douceur et contrôle les frisottis. En soin de nuit, répare intensément pendant 8 heures. Appliquez une noisette de baume sur les longueurs et pointes. Ne pas rincer. Voilà, bah c'est très bien. Et ça a une durée de vie de 12 mois. Donc, je l'ai dit, c'est un flacon de 150 ml. Et donc, ça coûte 17,90 €. Et là, il n'y avait pas de. Ah, bah là, elle n'avait pas d'avantage. Là, elle l'a payé plein pot. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est le gel douche. Donc là, on retourne dans la gamme comme une évidence. Hein. Je vous ai dit qu'elle aimait beaucoup cette senteur. Donc là, c'est un flacon de 200 millilitres. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Retrouvez sous votre douche toute l'harmonie des notes chyprées de comme une évidence. Ce gel moussant, oui, moussant, onctueux. Enveloppe votre peau de douceur et la laisse délicatement parfumée. Eau de bleuet issue de l'agriculture biologique. Cette formule contient plus de 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, bah, c'est très bien. Donc, flacon de 200 millilitres. Et donc, ça coûte 13,90 € quand même hein, pour un gel douche. Elle a eu 50% et donc elle l'a payé 6,95 €. Et même en le payant 50%, c'est pas donné hein, pour un gel douche. Voilà. Alors, où on en est là? Ah bah. On reste chez comme une évidence. Et là, c'est l'eau de parfum. Est-ce qu'on peut ouvrir la boîte sans l'abîmer ou pas? Non. Non, 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 non.
Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est quand même pas mon colis, c'est quand même pas mes affaires. Et là, mais c'est toujours comme ça, c'est très serré au niveau des boîtes. Et c'est pas rare de déchirer la boîte quand, comment dire, quand vous ouvrez la boîte, quoi. Donc c'est une eau de parfum de 100 ml pour les 20 ans. Ah donc c'est quand même pour les 20 ans, hein. C'est un flacon anniversaire. De commune évidence, l'artiste Petra Erickson illustre toute l'universalité de ce parfum iconique à travers cette femme aux multiples facettes. Voilà, donc ça c'est fait par Petra Erickson. Un accord chypré intemporel, essence de bergamote, absolu de rose, d'Amacena et essence de patchouli. Voilà, 81% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est plutôt bien. Alcool 100% d'origine végétale et l'étui et le flacon sont recyclables. Voilà, très très bien. Et donc l'eau de parfum coûte quand même 66,90 €. Et là, elle a eu un avantage un peu plus de 50% puisqu'elle a eu un avantage de 34,95 € et donc elle l'a payé 31,95 €. Voilà, c'était la meilleure affaire à faire à ce niveau-là. Alors, est-ce que... Oh là 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 là, ouais, ok. Alors, elle a pris ensuite un top coat effet gel Go Green. Donc ça coûte quand même hein, 10,90 €, un petit flacon de combien? De 5 ml. Et elle a eu 50%, elle l'a payé 5,45 €. Voilà. Voilà. Surcouche effet gel, 90% d'origine naturelle. Waouh! Alors ça, c'est bien la première fois sur ce type de produit. Je vais vous dire à la senteur. Putain. Oh putain. Oh! Non mais vous y croyez ou quoi? J'en fous partout, c'est incroyable ça. Oh purée, j'ai pas intérêt. Attendez, je vais récupérer ça. Bon, ça sent quand même, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça sent légèrement moins fort. Écoutez, on va voir ça. Je vais prendre un petit bigorneau là. Je vais ramasser avant que ça sèche sur ma table. Voilà, un autre petit bigorneau. On va vous coller ensemble et hop, sur le côté. Ensuite, ça c'était un petit cadeau, ça je le sais. Attendez, parce que là, c'est un petit peu bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Ça aussi. Attendez, mais on a combien de cadeaux? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça, voilà le cinquième cadeau. Vous l'avez à moitié vu. C'est pas grave, bon, je vérifie. Non, c'est bon cette fois, on a tout. Et enfin, un dernier petit produit qu'elle s'est commandé. Ça aussi, c'est un classique qu'on prend souvent chez eux. C'est leur petit baume à lèvres. Alors, moi, j'adorais particulièrement le fraise, mais ils ne le font plus. Maintenant, ils font le framboise. Voilà, donc ça colore légèrement les lèvres. Très agréable à porter. Donc, ça. Que je le retrouve. Que je le retrouve. Voilà, baume lèvres framboise. Ça coûte 4,50 € et elle a eu un avantage d'1,50 €. Du coup, elle l'a eu à 3 €. Alors là aussi, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est à elle. Sinon, je vous aurais montré, je vous aurais fait un petit swatch sur ma main. Mais ils sont bons, ils sont la framboise. Et colore légèrement les lèvres, c'est très agréable. Ça donne tout de suite un effet bonne mine. Donc il y a 4,8 grammes. Baume nourrissant à la framboise, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors là, ils font très très fort, on est presque au 100%, ce qui est plutôt bien. Et voilà, on nous en dit pas plus. Donc voilà, et je vous ai donné le prix. Donc maintenant, nous allons passer au cadeau. Alors, je vais vous montrer tout de suite le cadeau le plus... Pété, comme ça c'est fait, c'est leur calendrier. Voilà, ça c'est un des cadeaux. Alors je suis très déçue parce que tous les ans,
J'aime bien voir leur calendrier, c'était feuille par feuille, avec des cases où on pouvait noter des choses. Enfin, il était très bien fait, à part le système pour l'accrocher. Et là, c'est un vulgaire petit carton comme on trouve en boulangerie. Voilà quoi, vous avez à peine de quoi noter deux, trois choses. Franchement, c'est. Il perd de son intérêt. Voilà. Donc, bon, bah, moi j'en ai déjà eu un. Celui-là sera pour ma fille. Ensuite, alors là, du coup, on est over. Over de chez Over. On avait le droit à un petit cadeau qui était un petit eau de parfum, bah, comme une évidence. Et là, c'est un petit flacon de 5 millilitres. Alors, voyons voir. Alors, celui-là, je peux l'ouvrir quand même, c'est le petit échantillon. Alors, ça doit pas être la même. Peut-être c'est pas la même bouteille. Donc, voilà. Trop mignon. Comme ça me permet de le ressentir. Alors là, il manquerait plus que je fasse tomber le truc sur la table. Il sent trop bon. Donc, je pense que celui-là, je vais me le garder pour moi, en fait. Voilà, petit échantillon, histoire que j'ai un petit comme évidence. Vu tout ce qu'elle a déjà, elle a le grand parfum et tout. Elle a le petit pot de sac. Donc ça, je vais me le garder. Donc ça, c'est cadeau. Deuxième petit cadeau, c'est un baume pour les lèvres Nutri-Repulpant. Voilà, il y a 7,5 millilitres. Et c'est écrit en espagnol. Ben, c'est même pas écrit en français une seule fois. Mais c'est du foutage de gueule. C'est une entreprise française, non? Bon, écoutez, il n'y a même pas écrit. Ben, alors ça doit être un échantillon, quelque chose comme ça. Alors là, c'est la première fois qu'Yves Rocher me fait un coup pareil. Voilà. Donc, petite crème anti-rides. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, ça y est, ça y est. Là, ça fait quoi, 20 minutes? C'est. Voyons voir. Je vais vous montrer comme ça. Hop. C'est Riche Crème Baume pour les lèvres. J'aime bien aussi cette gamme Riche Crème. Donc voilà. Oh, c'est très 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 gras. Ça tombe bien, ma main est sèche. Bon, vous voyez, avec pas grand-chose, j'ai fait tout ça quand même. Ça sent bon, mais. Je suis pas fan. Je saurais même pas vous dire pourquoi. Mais bon, c'est pas collant. On sent la protection, quoi. On sent que effectivement là, c'est protégé, quoi. C'est. On dirait que c'est. Enfin, il y a une couche qui se pose. C'est pas collant, c'est pas gras. Enfin, c'est gras, mais sans l'être, sans les inconvénients du gras. Et c'est plutôt agréable, hein, parce que quand l'hiver il fait froid, tout ça. Que ce soit les mains, les lèvres, la peau, de toute façon toute la peau, hein. C'est très désagréable quand ça tiraille tout ça. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc, mais bon, déçu, parce que ça c'est des échantillons. Donc c'est des faux cadeaux. Ensuite, là, je reconnais Yves Rocher. Là c'est le format vente. Et justement c'est dans la gamme Riche Crème. Et donc, c'est la crème anti-rides bienfaisante à l'huile aux 1000 roses et aux 30 huiles précieuses. Rien que ça. C'est donc un pot de 50 millilitres. Voilà. C'est avec 82% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une petite crème jour. Alors, ces huiles enrichissent la peau en acides gras essentiels pour lui apporter confort et nutrition. Donc ça, c'est parfait, surtout en hiver, parce que j'aime les crèmes plus légères, moi, en été, et j'aime les crèmes très nourrissantes en hiver. Voilà. Immédiatement, la peau est plus souple, confortable et les rides lissées. Dès un mois, elle est nourrie et apparaît régénérée. Appliquez le matin. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien. Je suis très contente. Ouais, on a déjà convenu avec ma fille, vu que c'était mon offre courrier, que les cadeaux sont plutôt ciblés pour moi, que moi, je prenais les cadeaux et elle récupérait sa commande. À part le baume, là, je vais certainement lui laisser. D'ailleurs, je vais le remettre là. Non. Je vais le remettre là, puis on fera, je crois, le dispatching après. Et enfin, dernier cadeau, et ça, je suis très contente. J'en ai toute une collection.
C'est un plaid. Et là, c'est un. Sur le. Il n'a pas l'air plus grand que les autres, en fait. Parce qu'ils avaient l'air de dire un grand plaid. Mais non, pas plus que ça. Et puis moi, j'ai le même, c'est avec les coquillages ou pas? Non, c'est pas les coquillages. Moi, j'ai celui avec les espèces de coquillages. Mais si, c'est le même. Bon, j'en sais rien. Je regarderai ça après. Je vais pas vous saouler. Attendez que je mette pas sur le top coat. Je regarde si ça a séché ou quoi. Ok, c'est bon. Donc là, je vais pas vous le déplier. Mais vous voyez, voilà, gris. Ils sont super doux, leurs plaids. Oh là là, c'est magnifique. Et à force, tout le monde a son plaid pour le soir dans le canapé. Et c'est très très agréable. Ils tiennent bien chaud. Ils sont bien doux. Et ils tiennent bien au lavage. Donc ça, c'est un très très beau cadeau. Ils ne disent pas combien il fait. En tout cas, c'est un super cadeau. Et ça, c'est comme les serviettes de plage en été. Bah, au final, j'en fais la collection parce que c'est de bonne qualité. Et c'est des beaux cadeaux, franchement. Voilà, donc ça c'est cadeau et ça je suis bien, bien contente. Donc voilà, donc en cadeau on a quand même eu. Alors les 5 cadeaux qu'on a eu, c'est le plaid, le format vente, surtout que cette crème n'est pas non plus donnée, d'une petite crème anti-rides, le petit échantillon de parfum, le petit échantillon baume à lèvres de la même gamme que la crème anti-rides et. Le calendrier. Bon, mitigé sur les cadeaux à cause de ces trois-là. En fait, moi, pour moi, j'estime qu'il n'y a que deux vrais cadeaux. Ces trois-là, franchement, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Bon, je suis quand même contente pour ce petit échantillon de parfum que je vais garder pour moi. Ça, bon, quand même, hein, ça ne va pas s'utiliser en trois fois. Et ça, ma fille sera contente. Et la crème, là, très contente. Le plaid, très contente. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les cadeaux d'Yves Rocher. Donc, vous imaginez, si elle avait payé plein pot, on aurait été presque pas loin, ouais, pas très loin du double, hein, quand même, hein. Donc, ça fait plaisir qu'elle ait pu bah, se faire plaisir pour Noël, pour moins cher. Voilà. Donc, mon haul unboxing Yves Rocher est terminé. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Alors, ça a été assez long, mais c'était une grosse commande. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Si vous aimez mes vidéos, bah, tant mieux. Ça me fera plaisir. Et voilà. J'ai plus trop quoi dire. Bah, si ce n'est que bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je pense que bientôt Megalitrox pourra vous faire une petite vidéo. Bon, on essaye de faire au mieux. En attendant, bah, vous me verrez un peu plus souvent, surtout que j'y prends goût. Donc bah, j'espère que ça vous fera plaisir et que vous nous suivrez encore plus nombreux. Voilà. Bon, bah, moi je vous dis à bientôt certainement. puisque je vais profiter dès que j'aurai un haul, dès que je ferai une petite commande ou quoi, bah, je vous ferai un haul unboxing ou si j'ai une petite recette ou quoi, je vous ferai ça en ligne. Donc bah, moi je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça je vous l'ai déjà dit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye!